Cette année, Michael Youm n'a pas pu participer au traditionnel concert des Enfoirés. Une absence qui lui fend le cœur, a-t-il assuré à Bernard Montiel, avant d'envoyer une pique à l'organisation. Michael Youm fait le tour des médias pour assurer la promotion de son nouveau film, intitulé BDE et disponible sur la plateforme de streaming Amazon Prime Video, ce samedi 25 février. Il était l'invité de l'émission Une Heure Avec, animée par Bernard Montiel et diffusée à partir de midi sur la radio RFM. L'occasion pour l'animateur de questionner l'acteur et réalisateur de 49 ans sur le prochain concert des Enfoirés, qui sera diffusé le 3 mars prochain sur TF1. Contrairement aux années précédentes, Michael Youm ne sera pas présent sur scène. Pour son plus grand malheur. Je devais terminer mon film malheureusement, donc je n'ai pas pu y participer, et à chaque fois ça me fend le cœur, a expliqué Michael Youm. Malgré son absence du concert, il a bien l'intention de regarder l'émission avec beaucoup de plaisir pour retrouver tous les copains. Et si cette année, il n'a pas pu être là pour des raisons professionnelles, il compte bien se rattraper en 2024. L'acteur et humoriste a déjà hâte de retrouver le public, l'année prochaine. Parfois, les gens ne sont pas toujours très compréhensifs. Au cours de cette interview avec Bernard Montiel, Michael Youm a révélé que si les événements n'ont pas pu lui permettre d'être sur scène avec ses camarades, les choses auraient pu se passer autrement. Parfois, les gens ne sont pas toujours très compréhensifs dans l'organisation des emplois du temps. Je ne parle pas des bénévoles et des gens du côté des Enfoirés. Mais plutôt de l'autre côté. Là oui, je n'ai pas eu beaucoup de chance. Cette cause tient énormément à cœur aux célébrités qui y participent. Alors si l'absence de Michael Youm risque de se faire ressentir, il y a une artiste qui va faire son grand retour pour le concert de cette année. Si est Mimi Mati. Figure emblématique des Enfoirés, elle n'avait pas pu être là l'année dernière en raison de problèmes de santé. Alors pour son retour, ses camarades ont marqué le coup en lui réservant un très bel accueil. À lire aussi si ma fille ne me dit pas ça, qui le fera? Michael Youm révèle une émouvante anecdote sur sa fille, article écrit avec la collaboration de 6 médias.